Donc, je m'appelle Corentin Follen, j'ai 35 ans. Je suis photographe depuis 12 ans. J'ai pendant plusieurs années couvert l'actualité en France, à l'étranger. J'ai commencé cette série en fin 2012, novembre 2012, au moment où je débutais justement un projet de long terme sur Haïti. Et j'ai vu un peu ce chantier qui débutait. Je me suis beaucoup intéressé au début au bâtiment, à la végétation qui se développe et qui du coup raconte un peu cette chronologie. Et de plus en plus, vers la fin, là, on voit les dernières photos, comme c'est une végétation assez luxuriante et qui contraste avec le début où c'est très aride. Voilà. C'est un village qui regroupait un peu toutes les problématiques du pays. La corruption, les projets absurdes, la reconstruction, les projets effectivement humanitaires. C'est un projet aussi que j'ai travaillé un peu plus plastiquement que la plupart de mes reportages. J'ai fait un choix de travailler en carré. Un peu à l'image des maisons qui sont des petits cubes comme ça qui s'accumulent. Là par exemple je vais y retourner en février. J'ai pas beaucoup de photos avec les habitants. Je vais commencer un peu plus à faire des portraits, à m'intéresser aux gens.